Salam à vous, bienvenue sur l'entrepreneur africain. Aujourd'hui, je me permets de partager avec vous 5 business que vous pouvez lancer avec une somme de 100 000 francs CFA. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que le 5e business va beaucoup vous surprendre. Donc, si vous voulez soutenir cette chaîne, je vous invite à liker la vidéo, les gars, liker la vidéo et partager au maximum à vos amis et à vos collègues. Avant de vous partager ces 5 business que vous pouvez lancer avec une somme de 100 000 francs, je vous présente mon livre que je nomme les 252 business à lancer au Togo. Dans ce livre, vous découvrez les idées business qui marchent plus qu'au Togo et qui sont duplicables en Afrique de l'Ouest ou généralement en Afrique. Donc, je vous invite à vous en procurer en cliquant sur le lien qui est dans la barre de la description. Avant de vous partager les 5 idées business, je vais vous parler de ma conférence formation que nous allons organiser le 13 mai dans la salle des affaires de Cara. C'est une conférence où nous allons parler de comment entreprendre lorsqu'on est jeune. Quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser lorsqu'on est jeune, quand on est jeune, pour pouvoir entreprendre et devenir facilement riche. Donc, si vous êtes dans la zone de la Cara, plus précisément, à vous inscrire en cliquant sur le lien qui est dans la barre de la description. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo au maximum. Alors, la première idée de business que vous pouvez lancer dès maintenant avec une somme de 100 000 francs CFA, alors c'est de la vente des vêtements de bonne marque. Souvent, il y a des femmes de haut classe qui veulent s'habiller, c'est-à-dire qui veulent aller faire du shopping, mais ces dames n'ont pas le temps pour aller. Ils n'ont pas le temps pour aller dans des grandes boutiques pour acheter des vêtements. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec vos 100 000 francs? Qu'est-ce que vous allez faire? Vos 100 000 francs ne peuvent pas vous favoriser à aller importer en Turquie, en Chine, en Amérique, tout pour acheter les vêtements. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cibler les grandes boutiques qui sont dans qui font le shopping. Donc vous allez vers eux et vous les parlez de vous. Vous allez dire que vous allez travailler en partenariat avec eux. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre ces vêtements en gros et vous allez venir les livrer en détail. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est la population cible? Votre population cible, comme je le disais, vous allez proposer ça à des dames de haute classe. C'est-à-dire que si en le faisant, lorsque vous allez dans les boutiques de shooting, vous allez prendre les vues. Faites en sorte que les vues, les images que vous avez à prendre dans ces choses soient de ces images sont très jolies à voir, que ça soit attirant. Maintenant, lorsque vous allez prendre ces vues et autres, vous allez venir, vous allez les publier dans les groupes WhatsApp, vous allez publier ça dans les groupes Facebook, vous allez les publier ça à vos contacts, à des gens que vous savez qu'ils sont de haute classe, à des gens que vous savez qu'ils aiment s'habiller des vêtements de haute classe. Maintenant, avant de publier, vous devez aller sur Canva, vous allez créer un peu votre logo, vous allez apprendre à créer votre logo, vous créez votre logo, vous allez sur Facebook pour créer votre logo, et même vous pouvez prendre une somme déjà avec, si vous prenez 80 000 francs pour acheter les vêtements et autres, les 20 000 francs qui restent, vous allez prendre ça pour faire la publicité, vous allez payer la Facebook à ce que vous fasse le boostage de vos vêtements, de vos marques de vêtements et autres. Je vous assure que si vous lancez avec 100 000 francs dans ce business, d'ici 3 mois, vous allez voir, vous aurez des gros chiffres d'affaires et avec ça, vous pouvez maintenant aller en Chine et Turquie et autres et maintenant faire vos commandes. Donc, si vous commencez ce business avec une belle vision, vous avez une bonne vision, vous avez un plan précis, vous savez concrètement ce que vous voulez faire, je vous assure que vous allez vous faire énormément d'argent dans ce business. Surtout les vêtements pour femmes, ça prend vite. Les femmes aiment acheter très vite par rapport aux hommes. Donc, c'est une remarque que moi-même je fais peut-être dans ce secteur. Donc, si ce bien vous intéresse, je vous invite à vous appliquer dès maintenant. Passez à l'action. Ne dites pas que c'est demain. Si vous avez 100 000 francs, au lieu de le garder à la banque, passez à l'action parce que c'est un business qui marche très, très, très bien. Alors, avant de partager le deuxième business, je vous invite toujours à liker, à vous abonner, à partager au maximum. Et si vous voulez vous en procurer de mon livre, les 250 idées business à lancer au Togo, allez dans la barre de la description, cliquez sur le lien de la barre qui est dans la barre de la description et rentrez en possession de ce livre. Alors, le deuxième business que vous pouvez lancer dès maintenant avec une somme de 100 000 francs CFA, c'est d'ouvrir une cafétéria. J'ai fait une vidéo spécialement où j'ai parlé comment ouvrir une cafétéria avec 100 000 francs. Donc, je mettrai le lien de cette vidéo dans la barre de la description. Donc, vous allez dans la barre de la description, vous allez vous cliquer sur le lien et immédiatement, ça va vous diriger vers cette vidéo. Vous allez visionner, je vais partager les stratégies
qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter, quel emplacement trouver. Donc, j'ai tout partagé dans cette vidéo. Donc, cliquez sur le lien et vous rentrez en pour vous allez visionner la vidéo. Le troisième business que peuvent lancer avec une somme de 100 000 francs CFA, c'est d'ouvrir un petit restaurant. Oui, l'ouverture d'un petit restaurant, c'est un business qui marche bien. Tout dernièrement, j'avais fait un saut vers chez un ami qui s'est lancé dans ce secteur avec une somme de 50 000. Il s'est lancé avec une somme de 50 000 francs. Aujourd'hui, il a agrandi son restaurant et se fait énormément d'argent avec ce business. Donc, si vous avez 100 000 francs, même si ça n'atteint pas, vous pouvez déjà vous lancer dans ce secteur. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé comment se lancer dans ce secteur avec une somme de 100 000 francs. Donc, je vais mettre le lien dans la barre de description et vous allez cliquer sur ce lien pour visionner cette vidéo. Alors, le quatrième business de 100 000 francs, c'est la vente des gels de douche, des parfums. Aujourd'hui, en Afrique, nous souffrons d'odeurs parce que nous mangeons épicé, il y a la chaleur et tout ça là. Donc, la vente des parfums, des gels de douche, des déodorants, c'est vrai qu'ils marchent bien. Il suffit d'avoir une population cible, il suffit de savoir à qui vendre. C'est fini, vous allez vous faire de l'argent avec ce business. Donc, si vous voulez vous lancer dans ce secteur, vous voulez acheter des parfums, je vous conseille d'aller dans des grandes boutiques, c'est-à-dire il y a des gens, des boutiques qui achètent ces parfums, qui importent, qui achètent ces parfums depuis la Chine, depuis l'Indonésie et autres. Donc, vous allez vers ces boutiques et vous achetez. C'est parfois c'est de l'orange, c'est-à-dire ils vendent en gros et vous allez revenir acheter et vous allez revenir revendre en détail. Vous voyez un peu comme ça, vous commencez comme ça. Après vous-même vous pouvez acheter beaucoup pour livrer ça à des détails. Pour c'est un business qui aussi qui est très intéressant. Je vous invite à vous lancer dans ce secteur. Alors le cinquième business et le dernier business que je vous invite à vous lancer, c'est le business des make-up. C'est un business qui marche bien les gars. Parce qu'aujourd'hui nos soeurs, nos mamans veulent se faire voir, elles veulent être belles. Donc c'est un business qui marche bien, le business des make-up. Soit vous achetez des make-up pour venir vendre en gros ou bien en détail. Donc c'est un business qui est très intéressant. Et si vous voulez vous lancer dans l'un de ces business, vous voulez des conseils, vous voulez qu'on vous accompagne, je mettrai le lien dans la barre de description. Vous cliquez sur ce lien et vous rentrez en contact avec nous pour l'accompagnement. Donc je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à partager au maximum et on se retrouve pour la prochaine. Ciao.